Salut, alors moi c'est Marine, je travaille au comité BAI d'Hochelaga-Maisonneuve. BAI, ça veut dire base pour l'action et l'information sur le logement social. Le comité BAI, ça a été créé en 1993 par des citoyens du quartier qui voulaient demander plus de logement social, au lieu de logement avec des propriétaires. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on informe les gens sur comment trouver un logement social, un logement qui est en dessous des prix du marché. Qui appartient le plus souvent à l'État, qui n'est pas destiné à un but lucratif. Puis, en plus d'informer les gens, on fait de la mobilisation d'actions citoyennes. Donc les gens qui veulent lutter pour le droit au logement peuvent se rejoindre ici au comité BAI pour organiser leurs actions ensemble. Les rénovictions, c'est des évictions qui sont dues à des rénovations majeures, qui sont généralement organisées par des propriétaires qui veulent revendre ou relouer plus cher les bâtiments à la suite de rénovations. Et donc, qui expulsent les gens pour pouvoir gagner un maximum d'argent à la suite de la revente ou de la relocation. En fait, le comité BAI, c'est un comité dans Hochelaga-Maisonneuve qui défend le logement social. On fait des actions collectives avec les gens du quartier, on fait de la défense des droits des personnes mal logées et on donne d'informations aussi, puis d'éducation populaire sur le logement social, les différentes formes de logement social, comment faire partie d'un logement social, comment habiter dedans. Puis si on fait de la revendication aussi de nos droits, entre autres avec le FRAPRU, avec d'autres comités logement. C'est ça. Êtes-vous associé avec d'autres personnes ou d'autres associations? Le comité BAI, on est associé avec Entraide Logement. On est dans les mêmes locaux que eux. Eux autres s'occupent plus du côté logement privé. Nous, on est plus dans le logement social. On travaille avec plein de partenaires dans le quartier, entre autres avec la Marie Debout, qui est le centre de femmes. On travaille dans des luttes aussi collectives, comme je disais, avec d'autres comités logement dans d'autres quartiers, comme à Rosemont ou à Infologie, le comité Infologie dans l'Est de Montréal.